On va faire un petit point sur toutes les parachiotes, qu'on est en train d'étudier. Et deux, trois points intéressants. Et on a fait une vidéo exprès, comme ça tout le monde va se rappeler. Et peut-être on pourra réviser parce que ce qu'on va étudier, c'est un point important aussi pour Pessah. Alors, il y a un midrash, est-ce que vous avez entendu parler du Kuzari, livre Kuzari, ok? Le Kuzari, c'est un livre, alors il y en a qui disent que ça a été les questions et les réponses sont totalement de l'auteur. Il y en a d'autres qui disent qu'en vérité, c'était l'objectif, c'était des questions et des réponses entre le peuple de Kuzar, ok? A priori, c'était du côté de la Prusse à l'époque, ou je ne sais pas où. Et entre le peuple de Kuzar et un certain rab, qu'il y avait une sorte de recherche, quelle est la religion Emmet à adopter. Ok ? Questions, réponses, Hachem a créé le monde, pas créé le monde, Bon, parmi toutes les discussions, il y a la discussion qu'il ramène que l'histoire que je vais vous raconter, l'anecdote que je vais vous raconter, il dit comme ça. Une fois, il y a des peuples. Alors, je ne sais pas si on parle des cousins, mais a priori, il y a des peuples intéressés. Ils sont partis demander un peu à droite, à gauche. Chers messieurs, ils sont partis voir le représentant d'une certaine religion. Dites-moi, d'après vous, qui a créé le ciel et la terre, l'univers? Ils répondent, c'est écrit chez les juifs que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Ils vont voir une deuxième religion. Et la deuxième religion, dit, c'est écrit dans le chez les juifs que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Après, chez les juifs, peut-être qu'il y en a d'autres religions qui parlent. Bon, c'est la plus antérieure, c'est la première. Bon, c'est écrit comme ça. Une troisième religion, Aod, la même chose. Bereshit, Bara Elohim, et Hashem et Haaretz, au commencement du créa, le ciel et la terre pendant 6 jours. Alors, à la fin, ils se disent, si déjà on va voir tout le monde, qu'on aille voir directement les juifs, ou non, et qu'on aille leur demander, hey, vous les juifs, vous en dites quoi? D'après vous, qui a créé le ciel et la terre? Et là, ils ont répondu, c'est évident, c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre. C'est évident, ok? Et ils lui demandent, où est-ce que c'est marqué? Ils répondent quoi? C'est marqué où? Commencement. Au commencement du créa, c'est ça qu'ils vont comprendre? Ouais. Ils ont demandé, où est-ce que c'est marqué? Ils ont répondu, c'est simple. Dieu a fait les 10 plaies en Égypte. Alors là, ils ont dit, vous êtes lourd quand même. On va voir cette religion-là. Ils ont dit, Bereshit bara Elohim et Hashemayim v'haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Je vais voir une autre religion. Ils disent que c'est marqué chez vous, Bereshit, au début, au commencement. Je vais voir une troisième. Et maintenant, je vais vous voir à vous. Ils m'ont dit quoi? Kadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies en Égypte. Alors il a répondu comme ça. Il a répondu, c'est ça. Vous m'avez demandé, moi, ce que je sais, ce que je peux attester. À la création du monde, j'y étais pas, moi. À la création du monde, j'y étais pas. Je sais pas, moi, je peux. Même si je vous dis quelque chose, vous allez me dire, ok, mais c'est une croyance. Donc moi, à la création du monde, j'y étais pas. Ah, pas mal, hein. Presque moi, presque aussi vite. Razak. Donc votre mari n'était pas énervé hier soir? Je l'ai pas dit. Les dames m'envoient des textos. Mon mari, il est pas chaud pour venir au cours. Il faut pas le dire. Alors, alors il dit, donc moi je ne peux pas attester, j'y étais pas. Donc si je n'y étais pas, comment voulez-vous que j'atteste? Vous voulez mon avis à moi? Pour moi, la preuve que la Kadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, c'est quoi? C'est les 10 plaies en Égypte. Enfin, pourquoi? Pourquoi? Ben voilà. Vous imaginez que vous demandez le pourquoi? Ben oui. Très bien. Alors maintenant vous allez comprendre pourquoi on fait Pessah. Ok? Et réponse. Parce qu'en vérité, si ce n'est pas le créateur du programme qui a le code source, la code clé, qui peut changer à sa volonté ce qui a été créé. Pourquoi moi, je ne peux pas changer le modèle, la table,
de bois, je ne peux pas la transformer en papier. Pourquoi ? C'est pas toi qui l'as créé le, la table. C'est pas toi qui as créé le bois. Donc tu n'as pas, d'influence sur la destinée du bois. La seule chose que tu peux faire dans le bois, c'est de changer sa forme. Mais tu n'as pas d'influence sur la destinée du bois. Le bois en lui-même, c'est pas toi qui l'as créé. Donc puisque c'est pas toi qui l'as créé, c'est pas toi qui peux faire quelque chose. De la même manière le fer, de la même manière l'eau, de la même manière tous les éléments qu'on va voir, de la même manière les animaux, de la même manière tout. Puisque c'est pas toi qui les a fabriqués, donc tu n'as pas d'influence absolue sur eux. Par contre, celui qui les a fabriqués à 100%, il a l'influence absolue sur ce qu'il a fabriqué. Ok ? Et donc en fin de compte, si maintenant, et comme maintenant à Kadosh Baruch Hu, il a créé, non pas, alors maintenant, c'est ça qu'on va voir aussi, il a, et on va voir qu'il n'a pas simplement créé un animal fini, comme l'œuf et la poule, qui c'est qui est né en premier ? Ben en fin de compte, moi j'ai créé la poule, mais en fin de compte, elle a fabriqué des œufs après. Non, c'est pas ça. C'est qu'en vérité, à chaque instant de la création, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il recrée, il refabrique de toute pièce, tout ce qu'il y a, dans tout ce qu'il y a dans la création. Ok ? Et où est-ce que tu vois cela ? Tu ne vois cela que réellement dans les 10 plaies d'Égypte. Et on va y arriver, on va décortiquer, pas décortiquer, on va travailler en gros, on va travailler un peu les 10 plaies d'Égypte. Clair ou pas ? Et en fin de compte, et de la même manière, nous pour nous tous, et même, vous savez quoi ? Et même nos enfants, que on pourrait éventuellement croire qu'on les a procréés, même nos enfants, on n'a pas une influence totale sur eux. Ok ? On a une influence parce que on leur a fait du bien, donc on est bienveillant et donc automatiquement ils ont un minimum de respect. Ok ? Et même un enfant, ce que moi j'ai aidé, j'ai pas la maîtrise totale. Et en plus de ça, même sur l'intellect, etc., etc., etc. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même un verre que j'ai fabriqué, je peux pas le changer en quelque chose d'autre que le verre. Pourquoi ? Parce que la matière première, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc quoi qu'il arrive, il y a une limite à ma capacité et à mon influence. En vérité, mon influence, elle est limitée à ce que mon influence réellement. Et même cela, une fois que j'ai influencé, j'ai plus de maîtrise. C'est un des problèmes du Lashon Hara. Un des problèmes du Lashon Hara, c'est quoi ? C'est qu'en vérité, tu dis quelque chose de mal sur quelqu'un. Maintenant, toi, après, ça s'est avéré que c'était faux. Va aller récupérer l'information. Tu n'as pas de maîtrise. Parce qu'en vérité, même le son qui sort de ta bouche, c'est pas toi qui l'a créé totalement. L'énergie chez l'autre, une fois que l'information est partie chez l'énergie de l'autre, c'est pas toi qui le crée, c'est pas toi qui le gère. Donc en vérité, tu n'as aucune capacité, même de ce que toi, tu as fabriqué comme information, de maîtriser l'information jusqu'à où elle va. Ok ? Et donc au passage, c'est aussi pour cela qu'on va voir que à Kadosh Baruch Hu, les miracles, ils étaient dans la création de la plaie, ils étaient aussi dans l'arrêt et le stop de la plaie. Yes ? Ok ? Donc en fin de compte, si maintenant quelqu'un vous demande, mais attendez, qui te dit que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre ? Ok ? Bah tu le réponds, les 10 plaies d'Égypte. Quoi les 10 plaies d'Égypte ? Bah t'es d'accord avec moi que tu remets en cause ce qui a marqué dans Bereshit Bara Elokim et Hashem et Haaretz ? Parce que t'as pas de preuve. Ok ? Très bien, les 10 plaies d'Égypte. La seule question qu'il peut vous poser, ouais mais on n'y était pas. Oui. Voilà, très bien. Alors sur ça, vous avez une réponse classique, très simple, mais le Emmet, c'est quoi ? C'est d'où tu sais que le livre de Victor Hugo, c'est le livre de Victor Hugo ? Oui, c'est pas faux de dire ça. Non. Mais oui, c'est vrai, ça paraît absurde, mais c'est pas faux, hein, en tout cas. Hein. Bah oui, c'est aussi vrai. Qui vous dit que ce que Napoléon il a fait, ça a vraiment existé ? Voilà, moi souvent j'ai répondu ça. Qui vous dit que Darius, les rois de Perse, les rois trucs, les vraies batailles, on n'y était pas non plus. On n'y était pas non plus. Hein. Donc c'est arrivé ou c'est pas arrivé ? Moi, je peux vous assurer que c'est arrivé. Les détails, peut-être pas, mais les grandes lignes, oui. Quelle est la preuve scientifique ? Il y a quand même des traces archéologiques. Alors, une trace archéologique, ça ne suffit pas. Quand même. En vérité, pour fabriquer l'histoire, les traces archéologiques, ça ne suffit pas. Pour fabriquer l'histoire, il faut, tout simplement, c'est une règle technique, il faut qu'il y ait plusieurs témoignages de plusieurs sources différentes. Oui, mais il y a plusieurs témoignages. Parce que par exemple, pour l'histoire de Napoléon, il est parti se battre contre le tsar. Tu as des témoignages de ceux qui étaient à la bagarre. Tu as les témoignages de l'Assemblée en France. Tu as les témoignages dans les livres de Russie.
tu as les témoignages, etc., etc. Donc, en fin de compte, tous les gens qui ont... Après, tu as peut-être des détails. Qu'est-ce que Napoléon, il a dit à quelqu'un dans un truc? Ça, c'est des légendes. C'est pourquoi c'est des légendes? Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de... il n'y a qu'un seul témoignage. En gros, tout ce qui provient d'une seule personne peut être remis en cause. Tout ce qui provient d'une quantité phénoménale de personnes qui ont attesté de la même chose, et ben là, ça devient de l'histoire. Là, ça devient de l'histoire. De la même manière, la bagarre, la guerre ou la volonté de guerre de Napoléon sur la Russie, et ben en fin de compte, va être répétée et attestée par qui ? Par les historiens russes. Par les historiens russes, par les historiens français, par les gens qui étaient là-bas, par les récits urbains, etc., etc. Donc, en fin de compte, tout va être. Donc, ça devient une histoire. Pour quelle est la preuve que Béhémet, tout ce qui s'est passé dans le Khoumash, c'est clairement clair, et que ça a vraiment existé. Parce qu'en fin de compte, si maintenant, mettez-vous à la place des gens de l'époque, de ceux qui sont sortis d'Égypte. Mettez-vous à leur place, juste une seconde. Vous venez, vous n'avez jamais été en Égypte. Il n'y a jamais eu de plaie. Il n'y a jamais eu de don de la Torah. Il n'y a jamais eu les colonnes de nuée, il n'y a jamais eu l'ouverture de la mer, il n'y a jamais eu tout ça. Moshe Rabbeinu, par contre, il était là, il était sympathique, c'est un mec sympa, tout bien, bien sympathique. À la fin, avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Donc, il n'y a rien eu de tout ce qui est marqué. Il vient, il vous donne un livre et vous dites, vas-y, s'il te plaît, j'ai besoin de laisser mon nom à prospérité, ok? Répétez ce qui a marqué dans le livre à tout le monde. Et dans le livre, il y a marqué quoi? Vous étiez en Égypte. Moshe, c'est faux. Ça va. Ok. Vous avez été esclave. C'est pas vrai. On a été en Égypte 40 ans. Mais non, c'est deux jours qu'on a été en Égypte. Dans le désert. On a eu les colonies. Mais Moshe, c'est pas vrai. Ça. Vous allez, vous, en tant qu'être normal, je ne sais pas s'il y a une police derrière vous. Il n'y a pas de police, parce qu'il n'y avait pas de police. Est-ce que vous allez le répéter à vos enfants? Vous allez le répéter à vos enfants? Bah, si c'est pas la vérité, moi, je répète pas. Non, mais personne! Personne. Et les faits et les choses ne vont pas se concorder. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu. Donc vous n'avez peut-être pas lu le livre. Donc vous n'avez peut-être pas tout. Et donc en fin de compte, tout va se transformer. Donc en fin de compte, la preuve absolue, de manière scientifique, sociologique, ce que vous voulez, le fait que les bénis Israël sont encore avec ce livre-là en train de l'étudier, c'est qu'à l'époque, pendant 3, 4, 5, 6 générations, tous ceux qui ont vécu quand ils étaient petits, tous ceux qui ont entendu de leur père, de leur grand-père, de leur grand-père, de leur grand-père, et que chaque enfant, quand il retourne à l'échiva, on lui disait les mêmes choses qu'il a entendu à la maison, et qu'en fin de compte, quand il est parti dans chez son grand-père qui habite à Tzfat, il répétait la même chose que l'autre, et le voisin dit oui, mais on y a été en Égypte. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Mais toi, tu y étais? Moi, j'étais tout petit. Mais mon père, il m'a raconté, mon tonton, il m'a raconté, mon Rav Aleichia m'a raconté, tous, ils m'ont dit la même chose. Donc, en fin de compte, ça ne devient plus une légende urbaine, ça devient sûr. Alors, c'est évident que nous, on n'y était pas. Nous, on n'y était pas. Mais ce qui a marqué, et c'est pour ça que si vous regardez bien dans toutes les autres religions, ils n'écrivent jamais de choses que tu as des témoins ou qui nécessitent des témoins. Et ce qui nécessite des témoins, c'est obligé qu'ils ont eu des témoins. C'est pour cela qu'aucune autre religion n'a osé dire « Dieu s'est apparu à notre peuple ». Ils peuvent dire une seule chose. « Dieu s'est apparu à un ». Cette religion-là, ils vont dire « Dieu m'a parlé à une personne ». Comment tu vas la contredire, cette personne? Tu n'étais pas là-bas puisqu'il a parlé à une personne. Dieu, il a parlé à une autre personne. Ok, mais tu n'y étais pas. Ok, donc c'est tu dois croire. Mais lorsque maintenant il y a marqué dans le livre, Dieu a parlé à 600 000 personnes, et qu'à l'époque tous les gens de la terre, ils venaient commercer avec les bénis Israël dans le désert. Et en fin de compte, ils voyaient. Donc tout le monde a testé partout. Donc en fin de compte, c'est plus une légende urbaine, c'est de l'histoire. De l'histoire. Ok, très bien. Ah, mais les témoignages de l'époque, c'était pas des témoignages qu'on a. Enfin, je parle de cette époque, c'était des témoignages que... C'est pas grave. Nous, on a le témoignage écrit. On a le témoignage écrit, qui est la Torah. On a le témoignage écrit, on a les Midrashim, on a tout ça. Mais si maintenant, c'était faux, le livre aurait disparu. Qui va transmettre à ses enfants? Demain, il sort un livre de Jacques Chirac. Il dit, et Jacques Chirac, il dit, on a conquis l'Allemagne, on a conquis l'Autriche, on a tout fait, etc., etc. Mais qui peut dire? Tout le monde va rigoler. Mais d'accord ou pas? Donc, en fin de compte, l'histoire se fabrique de cette manière-là. Et donc, le fait qu'il n'y a personne qui a remis en cause, parmi ceux qui étaient les acteurs, le livre, ça prouve que ça existait. Claire? Oui.
Ok. Donc en fin de compte, si maintenant quelqu'un vous demande la question, est-ce que Dieu il est vraiment le créateur de toutes choses? Ok. Réponse. Bien sûr. Mais d'où c'est marqué? Vous n'avez pas lui dire crois en ce qui est marqué dans la Torah, pas crois. Il y a Dieu, il a fait les 10 plaies. Claire? Ah maintenant on va prendre chaque plaie, pas chaque plaie. On va prendre quelques éléments clés et on va voir que tout s'explique à travers ces éléments clés. Alors on commence. On a dans le règne animal. Si maintenant Dieu il voulait prouver son influence sur le règne animal, comment il va s'y prendre? Alors, a priori, la meilleure manière de s'y prendre, c'est en catégorisant les animaux via leur intelligence, leur degré d'intelligence. Je te prends les animaux les plus intelligents jusqu'aux animaux les plus bêtes. Et tout, je te montre que je les maîtrise. Dans la nature, dans le monde, quels sont les animaux les plus intelligents de base? L'intelligence est fabriquée à travers une vie de société. Quand tu sais vivre en société, c'est que tu es déjà intelligent. Quand je parle de société, c'est une hiérarchie. Parce que les vaches, elles vivent pas en société. C'est des vaches. Ok? Il n'y a pas de hiérarchie. Chez les moutons, il n'y a pas de hiérarchie. Chez les antilopes, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a plusieurs antilopes. Elles savent que plus elles sont en nombre, eh ben plus elles ont de chances de survie. Les gnous, la même chose. Il n'y a pas d'intelligence particulière, mais il y a comme ça. Ok? Par contre, chez tous les autres animaux qui vivent en société, les loups, même les éléphants, dans lesquels il y a une hiérarchie. Donc plus, en fin de compte, alors, ouais, les fourmis, c'est une vraie question, parce que les fourmis, je ne pense pas qu'on peut dire qu'ils sont intelligents. Ils ont un autre instinct, mais... À revoir ma copie, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une... En tout cas, il y a quelque chose, ok? Mais si maintenant on peut catégoriser l'intelligence, vie de société et prédateur. Parce que les prédateurs, ils sont obligés de constamment courir, aller chercher et trouver un nouvel moyen de subsistance. Alors que tous les herbivores, par exemple, okay, tous les herbivores, ils trouvent leur manger à portée de main. Donc, ils n'ont aucun besoin de déterminer, de travailler leur chose. Okay? Et sur ça, très bien. Quelqu'un qui est entrepreneur, eh ben, il va être automatiquement obligé en tout cas, quelqu'un qui a des responsabilités. C'est pour ça que très souvent dans les grandes boîtes, ils appellent les gens de responsabilité. Il y en a qui marquent des cartes. Résolvateur de problèmes. Leur carte, voilà, en Amérique, comment ça? Make a solution problème. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, voilà, je suis là pour dénouer les problèmes. Bon, on continue. Donc, si on va catégoriser l'intelligence chez les êtres, le règne animal, on va catégoriser par rapport à vie en société, prédateur, etc. Et donc, qui donne le plus d'intelligence? A priori, les prédateurs. Ok? Les prédateurs, mammifères et prédateurs. Non, en réalité, même les prédateurs, les mammifères et prédateurs, poissons, non, mais les orques, les dauphins, et tout, etc. Ok, bon. Alors maintenant, donc, on a eu la plaie de Harov, la plaie des bêtes sauvages. Très bien. Il envoie la plaie. Il leur dit, vous faites la différence entre un Ben Israël et un Égyptien. Ok? Un enfant Ben Israël et un Égyptien. Vous passez devant l'enfant, vous savez, Dieu il vous envoie l'info, il vous télécharge l'info. Non, pas lui. Tac, tu vas à droite, tu vas à gauche, etc. etc. Donc, Akadol Bokhu, il maîtrise. Ah, et plus que cela, tu maîtrises même leur instinct dévastateur. Parce qu'en vérité, un prédateur, lui, il attaque. Quand un prédateur, tu lui montres qu'en fin de compte, il doit choisir qui il attaque, c'est qu'en fin de compte, tu as même travaillé sa logique profonde. Ok? Clair ou pas? Donc, pas quand moi je dis du lachon hara, Dieu préserve, et en fin de compte, je ne peux pas maîtriser jusqu'à où il va. Ok? Lui, Hachem, il a créé la nature, il a amené le prédateur, il a créé une nature de prédateur, c'est-à-dire d'attaquant, et cette nature, il le déplace à sa guise, et il lui dit qui il attaque à sa guise, etc., etc., etc. Cela voudrait dire, éventuellement, que même lorsqu'il y a une gazelle qui se fait manger dans la savane, eh ben, cette gazelle, ça a été décidé totalement par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas retrouvé là par hasard. L'animal, il n'est pas parti l'attaquer par hasard. Il n'a pas gagné par hasard. Il n'a pas mangé par hasard. Alors, des fois, il y a des vidéos qui nous font très, très mal.
ok, parce qu'ils sont d'une violence phénoménale, ok, mais c'est Akadosh Baruch Hu. En tout cas, l'Égypte nous a prouvé que la maîtrise, à qui il attaque, pas à qui il attaque, de quelle manière il attaque, comment il attaque, ça aussi c'est Akadosh Baruch Hu qui maîtrise les bichons. Yes? Très bien. Dans le règne animal, si on va, ben, peut-être on prend vers le bas. A priori, vers le bas, c'est quoi? C'est les grenouilles. Les grenouilles. Peut-être un peu plus intelligente, moins intelligente, je ne sais pas. En tout cas, degré moindre que les prédateurs. Okay? Et même les grenouilles, il y a marqué que les grenouilles, elles ont fait un calcul. Hachem, il nous a demandé d'aller embêter les Égyptiens. Et bien, en fin de compte, on va les embêter jusqu'au bout. Ils sont retrouvés dans les pâtes, dans le pain, dans les pâtes, dans le four. Ils sont partis se tuer dans le four. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez être partout. Ils sont partis se tuer dans le four, etc., etc. C'est-à-dire que même des animaux dénués, et au passage, un animal, il cherche sa survie en premier. Même des animaux dénués de grandes croyances, intelligence, etc., ce que vous voulez, et bien en fin de compte, ils sont partis se jeter dans le feu, ils sont partis pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ok ? Très bien. Qu'est-ce qu'on a en dessous des grenouilles en intelligence ? Insectes ? Oui, les insectes. Insectes ? Yes ? Les sauterelles ? On est d'accord ? Donc Akadosh Baruch Hu, il a montré qu'il maîtrise la totalité du règne animal, si on parle par rapport au niveau de degré d'intelligence. Ok ? Maintenant, il ne pouvait pas mettre des plaies de tous les êtres animaux. Il fallait qu'il prenne quelqu'un d'autre. Très bien. Ok, on est bon sur ça ? Donc, si maintenant quelqu'un vous demande, l'animal, le chien, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu le maîtrise ? Le chien, Akadosh Baruch Hu le maîtrise. Et il lui dit, à qui aboyer, à qui ? Sauf que toi, tu as une interface qui s'appelle la nature du chien. Donc, toi, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu ne gère pas. Mais ça, c'est une interface. C'est une interface. Le code sur ce programme, à chaque instant, c'est un chien qui fait. Voilà l'épreuve. On est d'accord pour ça ? Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a ? Une fois qu'on a fait le règne animal, on peut attaquer quoi ? Les quatre éléments. Oui, c'est ça. Les quatre éléments. Et je vous rappelle un principe, les quatre éléments sont la matière première d'absolument tout ce qui existe sur Terre. Le Rambam nous dit qu'en vérité, dans du bois, il y a aussi les quatre éléments. Dans du fer, il y a aussi les quatre éléments. Tout une question de dosage. Bon, les quatre éléments sont la matière première de tout ce qui existe sur Terre. Et qu'est-ce qu'on a comme quatre éléments ? Allez, alors maintenant, autre chose. Alors, autre chose. Quand Hachem, quelle va être la différence entre un illusionniste et l'autre, il a fait disparaître la tour Eiffel, il a volé dans les airs, un illusionniste et la réalité ? Parce que maintenant, je peux vous montrer comme si que maintenant de l'eau, je le transforme en sang. Mais si maintenant, je mets du rouge, je vous fais prestidigitation, j'ai transformé l'ADN de l'eau ou j'ai rajouté une couleur rouge ? J'ai rajouté une couleur. En gros, l'eau, c'est de l'eau, sauf que je te l'ai fait paraître avec une épaisseur, une densité, un truc, etc. Mais l'eau, c'est de l'eau. Ok ? Très bien. Quelle est la preuve ? Si maintenant l'eau, c'est de l'eau, ou l'eau, c'est du sang, quelle va être la preuve ? Tu es en Égypte, t'as pas de microscope. C'est la consistance, le sang, c'est pas... Oui, c'est plus épais. Tu peux pas voir. Vous allez voir d'où ça sort. Non, mais comment tu fais pour voir ? Par le goût. Mais non, le goût, je peux te faire, ça va du goût. Comment tu sais si maintenant c'est l'ADN qui est transformé d'eau? Donc, la molécule de l'eau, c'est H2O. Je ne sais pas c'est quoi la molécule du sang. OK ? La molécule de l'eau, elle a été transformée. C'est plus une molécule d'eau, c'est une molécule de sang. Bah, je t'ai pris du sang, je t'ai transformé. Il y a un verre d'eau, il y a un verre de sang. Bah, je t'ai inversé. Non, mais le sang, c'est de l'eau où il y a des éléments à l'intérieur. L'eau, c'est de l'eau. Il y a H2O, effectivement. Normalement, il n'y a rien d'autre sauf si c'est... Les minéraux, mais le sang, il y a des choses particulières. Il y a des petites cellules, les plasmas. Alors, qui me dit quelle est la preuve que c'était du vrai sang et pas de l'eau colorée? Tu allais dire la consistance, mais non. Mais oui, moi, dans la consistance. Oui, mais on n'a pas de microscope à l'époque. Non. Comment on fait? Mais quand on tire du sang, il n'y a pas de microscope. Comment on fait pour voir? On peut peut-être. Comment on peut faire? Mais il y a mieux. Les poissons ? Ah oui, les poissons. Les poissons ? Ils ne peuvent pas vivre. Aussi. Les poissons, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'oxygène qui est à l'intérieur de l'eau. Ils meurent dans un truc. Si maintenant c'est du sang, ils meurent ? Ils meurent. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk ?
C'est vrai. Non, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? Quand il y a marqué dans le haut, au début de la parasha de Vayera, que Dieu il a transformé l'eau en sang, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayi vashayor, et tous les poissons qui étaient dans l'eau, ils sont tous morts. Pourquoi nous rajoute qu'ils sont tous morts? Parce que ça, c'est la preuve, c'est du sang. Ouais. Parce qu'en fin de compte, si c'était d'autres l'eau colorée, les poissons ils meurent pas. Bien sûr. Ouais. Il a dévasté donc l'élément. Donc là ici, on n'a pas changé une couleur. On a pris l'eau, l'H2O, on a pris la matière eau. Donc là, donc déjà, j'ai prouvé que je maîtrisais le règne animal. Là, j'ai prouvé que je maîtrisais le premier élément. Ok, très bien. Je ne fais pas dans l'ordre. L'élémentaire. Quelle est la preuve de l'élémentaire? L'élémentaire. TE2RE. Le sable, c'est transformé en vermine. Le sable, c'est transformé en vermine. Le sable, ça ne dit pas qu'il se transforme en vermine. Le sable, c'est du minéral dénué de vie. Je suis en train de te montrer. Je suis en train de te montrer que je maîtrise tout, c'est moi qui ai créé. Je transforme la matière. J'ai oublié un petit truc au passage, mais je reviendrai dessus, ok? Clair ou pas? Très bien. L'élémentaire. Après, donc, Hacham il a montré que de la molécule de sable, je l'ai transformée en être vivant. Ok? Ensuite. Comment ça, il s'est transformé en être vivant? Je comprends pas. Bah, c'est transformé en vermine. En vermine. En ce que vous voulez. Yes? Yes? Très bien. Après, il me manque quoi comme élément? On a dit l'air. Feu. L'air. Et quoi? Et le feu. On est d'accord? Très bien. L'air, dans la parasha de cette semaine, on a. Quand est-ce qu'on a eu l'air? La plaie des sauterelles. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la plaie des sauterelles? Ve'aka de Jbohu, Ruach Kadim Azakola Laila. Il a amené un vent pour amener les sauterelles. Très bien. Bon, c'était pas mal. Mais il y a mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Lorsque Hachem il a ramené toutes les sauterelles, l'on nishar arbe echa bechol gul mitzraim. Il n'est pas resté une sauterelle dans tout l'Égypte. Mais comment c'est possible? Ok, ils ont gardé des provisions pour demain, ils mangeaient des sauterelles. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le vent, il venait, il récupérait même ce qu'il y avait dans les bocaux. Toi, tu considères, pourquoi ils arrivent à faire des prévisions météorologiques? Parce que même le vent, il est analysable. Comment il est analysable? Parce que le vent provient des courants d'air chaud, des courants d'air froid, ça bouge comme ça, et après, il peut y avoir une certaine logique et rationalité sur le vent. Et bien, en fin de compte, qu'est-ce que Hachem nous a montré? Ce que toi, t'appelles la rationalité, c'est une volonté de moi précise. Et en fin de compte, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pour récupérer les sauterelles, j'ai dit au vent, j'amène le vent partout. Et le vent, il arrive, il enlève cette miette-là, il n'enlève pas l'autre. Il enlève cette miette-là, pas l'autre. Ce que toi, t'appelles l'interface rationalité, vent courant. Parce qu'en fin de compte, quand je ramène les nuages de sauterelles, en vérité, il y avait plusieurs miracles. Parce qu'en vérité, il y a toujours eu des nuages de sauterelles dans les pays chauds. Ok, donc déjà le premier miracle, c'est qu'il y avait une quantité de sauterelles phénoménale. Réfléchissez bien. À l'époque, l'Égypte devait être grande comment? Au moins comme Paris, minimum. Oui. Minimum comme Paris, parce que là-bas, c'était étendu, c'était un royaume, c'était un truc. Minimum comme Paris, je sais pas combien. D'après vous, combien c'est possible d'avoir de sauterelles pour obscurcir le ciel de Paris? Ça doit être énorme. Combien de millions? Énorme. Donc déjà, ça, c'était exceptionnel. Deux, le vent il est arrivé. Sauf que les Égyptiens vont dire, ouais mais le vent, c'est facile d'amener d'un seul coup plein de sauterelles. Très bien. Le retour. Et pas le retour, aucune des sauterelles reste. Claire? Donc ce que toi tu considères que c'est l'élément, c'est de la rationalité le vent, c'est plus de la rationalité. Yes? Allez, le feu, facile. Le feu, je vous laisse dire. Facile. C'est l'eau et la glace avec la grêle. La grêle? La grêle. La grêle. Alors maintenant, si vous regardez bien dans ce miracle-là de la grêle, c'est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que, le feu, il a besoin d'une source pour s'alimenter. Quelle source il avait pour s'alimenter? Quand il est à l'intérieur de la grêle, il lui faut une source. Le feu, il existe que parce qu'il combuste quelque chose. Oui, normalement, oui. Qu'est-ce qu'il y a combusté dans une grêle? Pas tellement que c'était froid, des fois il y a des trucs tellement froids, je dirais que c'est chaud, je sais pas comment expliquer.
Il y avait du feu à l'intérieur de la glace. Donc déjà, question 1. Le feu, il a besoin de combuster quelque chose. S'il ne combuste pas, il n'existe pas. 2. Le feu et l'eau, c'est les ennemis jurés. Comment ils subsistent ensemble? Oui, c'est ça qui est fou. Comment ils subsistent ensemble? Ok. Réponse. Comme je maîtrise la nature du feu, je maîtrise la nature de la glace, j'ai aucun problème temporairement de suspendre leur propriété. Parce que c'est moi qui l'ai créé, les propriétés. C'est ça, c'est ça. Ah, oui, c'est le miracle absolu. Quoi. Donc on a ici élément feu, on a tous les éléments. On a la terre, la vermine. On a l'eau, donc la terre, l'eau, le gaz, le feu. On a la terre, la vermine, l'eau qui s'est transformée en sang, le vent avec le gaz, donc les éléments, le gaz, le vent, qui est avec les arbres, les sauterelles, et on a le feu. Le feu, qui a Kadosh Baruch Hu, il a mis en stand-by ta propriété. Regarde, je sais, mon cher petit feu, que je t'ai créé pour que toi et l'eau, vous entendez pas. Donc là, maintenant, toi, l'eau, tu te calmes, tu changes ta propriété, toi, tu changes ta propriété, et vous travaillez ensemble, main dans la main pour moi. Qui peut faire ça si ce n'est le créateur de la propriété? Le créateur du feu. Le créateur du feu. Yes? Ce n'est pas un né, c'est pas un phénomène physique. C'est Dieu qui a créé cela et il le maîtrise là où il veut, quand il veut. Yes? Alors, il y a eu quand même des gens qui ont démonté toutes les dix plaies d'Égypte. Hein? C'est n'importe quoi. Par exemple, le sang, il disait que c'était la terre rouge d'Égypte qui avait teinté l'eau, par exemple. Alors pourquoi ils sont morts les voisins? Ils ont démonté tout. D'abord, pourquoi c'est arrivé spécialement à ce moment-là? Pourquoi c'est arrivé spécialement à ce moment-là? C'est suite au centaurin, après le machin du centaurin. Alors ça marche quand c'est une plaie. La deuxième plaie, ça aussi. La troisième plaie, ça aussi. La quatrième aussi. La dixième aussi. Le fait que l'Égypte ait fait sortir le Israël. Si c'était que des phénomènes physiques, pourquoi l'Égypte ait fait pas sortir le Israël? Et le don de la Torah, et l'ouverture de la mer, et les... Ça, c'est... Après, je vous parle de ce que j'ai vu la semaine dernière. Ok? Claire? Très bien. Alors maintenant, il y a un point que j'ai oublié entre le règne animal et les quatre éléments. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on a d'encore plus petit qu'un insecte et qu'une vermine? Des microbes, des virus. Bravo, vous avez tout de suite répondu. Microbes. Microbes. Et ça, je ne sais même pas si on peut appeler ça une intelligence. C'est évident qu'on ne peut pas dire une intelligence sur un microbe, seulement une programmation. You know. Quand vous avez, on en avait déjà parlé souvent, on va travailler ici. Quand vous avez mal à la tête, quand quelqu'un il a mal à la tête, il fait quoi? Doliprane. Mm-hmm. Pourquoi vous ne prenez pas un Tehillim? Pourquoi vous ne pensez pas prendre un Tehillim quand vous avez la tête? En fait, c'est notre subconscient, comme ça, on dit, enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais en vrai, même il y avait des testeurs qui ont fait un truc comme ça, que sur une boîte de Doliprane, admettons que je te donne genre un cachet qui n'est pas du Doliprane, et bien instinctivement, 10 minutes après, tu vas dire « Ah, ça va mieux », alors que ce n'est pas ce qu'on a placé. Et ouais, il y a des gens qui ne prennent pas de médicaments. Ça s'est placé beaucoup. Mais à la base, pourquoi vous prenez un Doliprane? Pourquoi votre réflexe est prendre un Doliprane? Parce que le cerveau, il est conditionné. Très bien, pourquoi? Ok, direct à la piscine. Pourquoi pensez directement à la piscine? Il a raison, parce qu'on est conditionné. Même si vous êtes conditionné, vous devez avoir, il y a une logique derrière votre acte. Quelle est la logique qui se cache derrière le fait de prendre un Doliprane? Et pourquoi pas un Tehillim? Parce que c'est ce qu'on a appris, non? Oui. On a appris, nos parents nous ont appris. Mais ils vous ont appris parce qu'il y a une logique qui se cache derrière ça. Quelle est la logique qui se cache derrière un Doliprane? C'est que la molécule chimique va transformer le problème en l'éradiquant. Bravo. Mais ça veut dire que vous considérez que c'est pas Dieu qui vous a donné le mal de tête. C'est sûr. Si vous considérez que c'est Dieu qui vous a donné le mal de tête, vous êtes un Tehillim. C'est vrai. Si vous considérez que c'est la rationalité qui vous a donné un mal de tête, donc j'appelle une autre rationalité qui me donne un mal de tête. J'ai essayé, je crois, moi j'ai des migraines, ça ne me sert à rien, mais Doliprane, je vais essayer, donc j'en prends. Vous mangez du sucre n'importe comment? C'est horrible. Vous prenez du sucre? Non.
je mange avec les enfants, c'est une catastrophe. En ce moment, j'ai des grosses migraines. Le sucre, à cause de ça. Le sucre amène la, le les migraines. Attention. Le sucre, le sucre. C'est un poison. Moi, j'ai remarqué quand je ne m'hydrate pas assez, ça me déclenche mon poids. Ouais. Sucre, manque d'eau, tout ça. Ah, l'alcool, il faut arrêter l'alcool. Ouais, c'est sûr. Ok, Dieu préserve. Alors, donc, pourquoi on fait pas Tehilim ? Pourquoi on fait Doliprane ? Parce qu'on considère que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé le mal de tête. Donc, en fin de compte, et la médecine de tout temps, je raconte la médecine, hein. La médecine de tout temps apporte des solutions dans lesquelles, eh ben, on va dire, ben, j'ai plus besoin d'HM. Oui, ça se substitue. Et en fin de compte, notre rôle à nous, c'est de se rappeler que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on jamais on dit des mots qu'on n'essaye pas au moins de faire la Avodat Hashem dans ce sens-là. Mais en fin de compte, l'idée, elle est que j'ai mal à la tête, je fais un télim. J'ai mal à la tête, je me pose la question, Hashem, pourquoi tu m'as donné un mal de tête? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En tout cas, ça serait ça la première chose à voir. Après, tu trouves, donc il n'y a plus de mal à la tête, c'est une chose. Tu ne trouves pas, bon, on va réfléchir. Mais pourquoi? Et en fin de compte, on ne fait pas ça. On a mal à la tête, on prend un Doliprane. Si vous avez un petit bouton ici, vous dites quoi? Il y a un petit bouton ici. On dit quoi? On dit un médecin. Un médecin, il y a un petit microbe. Sûrement, j'ai touché quelque chose ici. Ouais. Je mets pas Dieu dans le cercle. Je ne mets pas HM dans le cercle. HM, il n'est pas dans la boucle. Si quelqu'un, se retrouve dans l'hôpital avec un cas très grave, là, il dit HM. Si le médecin dit, j'ai pas de solution, HM, s'il te plaît, il n'y a pas de solution. Ouais, c'est vrai. C'est la réalité malheureuse. On est tous en dedans. On est tous dans le cas. C'est la réalité malheureuse. Pourquoi? Hachem n'est pas dans la boucle. J'implore et je demande à Hachem. Seulement lorsque j'ai pas de solution. Seulement lorsque la rationalité ne donne pas de solution. Seulement lorsque le médecin ne donne pas de solution. Où est-ce qu'on voit dans l'histoire de l'humanité où Hachem a prouvé A plus B que même les microbes, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide totalement. La seule fois dans l'humanité, où est-ce qu'on a une preuve que même les microbes, autant que les lions, il les a amenés, il leur a donné leur nature, il a enlevé leur nature concernant, etc. Autant que les grenouilles, autant que les insectes, où est-ce qu'on a vu que même les microbes sont totalement soumis à la volonté d'Hachem et que c'est lui qui les envoie là où il veut, quand il veut, à qui il veut. En Égypte, on a eu deux sortes de microbes. Les microbes pour les animaux, la peste, et les microbes pour les ulcères. Hachem n'a pas voulu tuer les Égyptiens, donc il a envoyé des microbes qui étaient mortels pour les animaux, mais pas pour les Égyptiens. Ok? Donc, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que non. Et même pire que ça, même là, Paro, il était comme à vous. Il a dit, allez vérifier là-bas chez les Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? L'homme de Bnei Israël, adéchab. Il n'y a pas un seul animal des Bnei Israël qui est mort. J'ai pas compris. La peste, elle choisit, elle décide où elle va. C'est pas qu'elle décide où elle va, c'est un cadeau, elle décide tout. C'est un truc de vous. Là, ce qu'on est en train de on est censé comprendre des diplés. Amen. Que ça nous renforce notre émouna, notre bitachon en Hachem. Et qu'on apprenne. Et moi, le premier, à ce qu'on, de chaque chose, on vient, là, on demande à Hachem. On n'a pas besoin de passer par qui que ce soit. Ok? Très bien. Et donc, on a tout. On a fait quasiment tout. On a fait le règne animal. On a fait du plus intelligent jusqu'au plus bête. On a fait les microbes. On a fait les quatre éléments. Maintenant, il nous reste deux notions. Deux notions que même ces notions-là sont difficiles à accepter. C'est les aînés. Non, juste avant. Juste avant. C'est quoi? C'était pas les aînés? Oui. Il y a deux notions dans la création qui sont difficiles à accepter par notre intellect. Ouais, c'est, okay? c'est rock,
Alors, on va commencer doucement, doucement. Ok, c'est très particulier. Hein? C'est vrai que c'est très particulier. On va commencer doucement, doucement. Premier point, c'est la question suivante. La quoi? La question suivante. L'obscurité, c'est le manque de lumière ou c'est une création de Dieu? Création de Dieu. Bah, c'est facile, on fait le cours de la création de Dieu. Donc, c'était facile. La réponse est facile. Mais normalement, qu'est-ce que tout le monde répond? Non, on répond, c'est le manque de lumière. La réponse de tout le monde, c'est les ténèbres, l'obscurité, c'est le manque de lumière. Alors, il y a deux problèmes phénoménaux. T'imagines que quand tu dis que l'obscurité, c'est le manque de lumière, tu es en train de dire qu'il y a une chose qui existe, non pas par la volonté d'Hachem, mais par le manque d'autre chose. En fin de compte, Hachem n'a pas son pied, sa main à dire ici. En vrai, on répond tous... on répond tous par la réponse qu'il faut pas. Non, on n'a plus jamais Hachem, c'est pas bien, mais c'est vrai. Mais parce que par la réponse que le monde nous a appris à répondre. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. On doit étudier la Torah pour mettre Hachem au centre de notre pensée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit les ténèbres, on dit quoi? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est la nuit, quoi, en fait. Oui, mais on dit quoi? C'est l'absence de lumière. Oui. Très bien. Eh bien, ça, c'est un. Deuxième point. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il y a quelque chose qui existe de manière automatique qui n'est pas dépendant de la volonté de Dieu. Autre question. Est-ce que ça existe de la lumière sans source de lumière? Sans source incandescente? Donc, est-ce que ça existe une lumière sans source de lumière? Je dirais non. Est-ce que ça existe une lumière sans luminaire? Dans la création, on ne connaît pas une lumière sans luminaire. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Très bien. Pourquoi? Parce que dans notre subconscient, on considère que les rayons de soleil qui proviennent du soleil sont presque indépendants de la volonté d'Hachem. Une fois qu'il a créé le luminaire, il y a la lumière qui jette. La lumière qui jette. On a mis un néon. La lumière a jailli. C'est tout pour la nuit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on est tellement habitué à l'automatisme, à la rationalité, à la régularité, à aucun moment réfléchi, mais même cette régularité est fabriquée de toutes pièces par la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a même pas d'automatisme. À chaque instant, c'est la volonté d'Hachem qui fabrique cette réalité. Ok? Clair? Clair? Et ce problème-là, on l'a essentiellement dans la lumière du soleil et les ténèbres. On n'a jamais prié. Allez, c'est quoi? On peut éventuellement commencer à prier quand on a mal à la tête pour Hachem. On ne prie pas Hachem que demain il y a la lumière du soleil. C'est tellement automatique que... Vous imaginez? On ne se pose même pas de questions. Pourquoi quand j'éteins la lumière, il y a l'obscurité? En gros, notre problème à nous, et bien sûr, ce n'est pas le problème d'être tzadikim, notre problème à nous, c'est que nous vivons de manière tellement évidente des choses, des miracles continus de la part d'Hachem, qu'à aucun moment, on se remet, on se pose les questions les plus essentielles de la création. Ok? Et voilà pourquoi peut-être l'avant-dernière plaie avant l'apothéose, avant la sortie d'Égypte, la dernière plaie c'était les ténèbres. Pourquoi c'était les ténèbres? Parce que les ténèbres, ils viennent répondre à ces deux questions-là. Non, on croyait que les ténèbres c'est l'absence de lumière. Mais si tu dis que c'est l'absence de lumière, c'est-à-dire que Hachem n'a pas créé de toutes pièces. Les ténèbres c'est pas l'absence de lumière. Les ténèbres sont une création totalement indépendant d'Hachem. La preuve, c'est qu'il les a mis quand il voulait. Les troisièmes derniers jours, il a augmenté l'intensité de l'obscurité. Et l'okamouchet arrive, personne ne pouvait se lever de sa place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'obscurité, elle était tellement dense qu'en vérité, on ne pouvait même plus bouger. Vous ne voyez rien et on ne pouvait plus bouger. Ok? En gros, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que l'obscurité n'est pas un manque de lumière,
est une création totale de toute pièce de la part d'Hachem. Claire ? Claire ? Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y avait le soleil à l'extérieur ? Ou est-ce que Hachem, il a enlevé le soleil ? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y avait le soleil. Sauf qu'ici, il y avait l'Égypte. Ici, il y avait l'Égypte. Et autour de l'Égypte, il a créé une obscurité. En gros, même s'il y a la lumière du soleil, la lumière du soleil, elle va jusqu'à où je lui dis d'aller. L'obscurité s'installe quand moi je lui dis de s'installer. Et c'est pour ça que grâce à ce que je viens de dire, on a la réponse à une question que tout le monde aurait pu se la poser. Si vous regardez bien la création du monde, Akadosh Baruch Hu, d'abord il a créé la lumière, après le troisième jour ou le quatrième jour, il a créé la luminaire. J'ai pas compris. Tu crées la lumière, après tu crées le luminaire. Deuxième question, il y a marqué que quand il a créé le luminaire, Hachem il a dit, j'aime pas le principe que la lumière et l'obscurité se côtoient, vivent ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? Le jour, ça sera le soleil, ça sera le maître de la lumière, et en tout cas l'emblème de la lumière, et l'obscurité, ça sera la nuit. On est d'accord ou pas? Très bien. Comment c'est possible, vous n'êtes jamais posé la question, comment c'est possible que la lumière et l'obscurité se côtoient? Non, là où il y a de la lumière, pas d'obscurité, là où il y a de l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Réponse à la création du monde, c'est deux matières différentes. Et ces deux matières-là, elles sont différentes et indépendantes. Je n'ai pas besoin du soleil pour exister. Cette lumière-là, qui n'a pas besoin du soleil pour exister, il l'a gardée pour Bezrat Hashem et Tzadikim. Il a hâté de la voler lorsqu'on va venir. Et sûrement qu'on l'a dû l'utiliser au moment de la sortie d'Égypte. Et après, il a rattaché la lumière au luminaire. Mais on doit reprendre, on doit garder toujours en tête. On doit garder toujours en tête. Le fait qu'il y ait de la lumière qui jaillit d'un luminaire d'une incandescence est une volonté absolue de d'Hachem à chaque instant. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a rien dans la création qui ne provient pas par la volonté continue d'Hachem. Et ça, c'est une des preuves que les 10 plaies d'Égypte existent. Ouais. Fort ou pas fort? Fort ou pas fort? Et en fin de compte, à nous, constamment, de s'habituer, d'habituer nos enfants, de nous habituer, c'est en tout cas, à nous, les bénis Israël, c'est notre mission sur Terre. C'est notre mission sur Terre. Ok? Et c'est pour cela qu'en vérité, les dames, elles doivent dire à leur mari toute la journée, prie Hachem, il y aura plus de parnassa. Une fois, le rabbi dit comme ça, le rabbi dit, je vois si je la retrouve. Le rabbi renvoie une lettre, une réponse très simple à quelqu'un et il dit, what you worry about business? Pourquoi tu t'inquiètes du business? More bitachon, more business. Plus de confiance en Dieu, plus de business. Vous avez vu la différence? C'est pas plus de publicité, plus de business. Plus d'investissement, plus de business. C'est pas ça. More bitachon, more business. Ok? Et en fin de compte, c'est ça que le job du rabbi, le job des tzadikim, c'est de rappeler constamment, le job de Moshe Rabbeinu, le job de tous les tzadikim, c'est de rappeler constamment à Israël, more bitachon, more solution. More bitachon, more avancement. More bitachon, plus de bitachon, plus de règlement de tous les problèmes qu'on a. Yes? Yes? Ok? Et donc, en fin de compte, ça, c'est le job des 10 plaies d'Égypte. Et la dernière plaie, c'est quoi? La dernière plaie, c'est la mort des premiers-nés. Et alors, là aussi, il y a une erreur que nous tous, nous faisons sûrement constamment. C'est quoi? C'est l'association de la vie à aussi une conséquence. C'est quoi la conséquence? C'est que, pour avoir des petits moutons, j'ai besoin d'avoir une brebis et un mouton. Ok? Mais après, c'est automatique. Et la vie, c'est un hasard, c'est un automatisme, c'est lié avec la santé, c'est lié avec autre chose, c'est lié avec trucs, tout est un automatisme. Et là, en fin de compte, dans la peur morbe des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu a clairement montré que la vie de chacun est choisie totalement par lui. Ok? Et donc, en fin de compte,
dans les 10 plaies d'Égypte, on est allé jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout pour prouver qu'absolument, un, il maîtrisait tout, pas simplement extérieurement, mais aussi, mais évidemment intérieurement, pas seulement la forme, aussi le fond, ok, pas seulement la couleur de l'eau, mais la molécule de l'eau, la molécule, les propriétés de chaque chose, la volonté de chaque chose, etc., etc., etc. Même ce que toi, tu considères que c'est un automatisme, l'obscurité est venue t'apprendre que quoi ? Qu'en réalité, ça n'existe pas d'automatisme. Ça n'existe pas d'automatisme. Ça n'existe pas. Tout est absolument voulu par Akadosh Baruch Hu à chaque millimètre et à chaque instant. Jusqu'à même la vie que Akadosh Baruch Hu nous accorde, c'est totalement. Donc en réalité, il y a une seule réponse à tous nos problèmes. Mort bitachon, mort tout ce que tu veux. Plus il y a de bitachon, plus il y a de tout ce que tu veux. C'est la foi, bitachon. Bitachon, c'est, ouais, c'est plus que la foi, c'est la confiance en Dieu. Okay. C'est un sacré cours que vous nous donnez aujourd'hui. Ah ouais, intéressant. Franchement, je vous remercie parce que c'est un renforcement de la Emouna et c'est une vision qui est évidente. Même moi, ça m'a renforcé. Même moi, je suis plus chaud là. Je me dis, mais en vérité, on est chanceux. Je suis profondément reconnaissante de ce cours. Vraiment. C'est un grand enrichissement. Je suis scotchée, quoi. C'est. Vous mettez les. Et pourtant, ça fait 30 ans que j'entends hein, les cours sur les. Ça m'a jamais rien fait, mais alors là, oui, hein. Franchement, merci. Merci beaucoup. Je sais pas où. Merci beaucoup. Vous mettrez un doigt sur la vidéo YouTube. Ah, bah oui, tous les youtubeurs, ils disent. Mais non, faut la mettre sur YouTube, faut vraiment la mettre sur. Non, je la mets, je mets tous les cours, mais. C'est très. Mais je travaille pas assez pour la visibilité des cours, hein, mes choix. Bon. Bah oui, mais c'est vraiment un cours qu'il faut mettre. Alors maintenant, vous comprendrez pourquoi le Rambam, comment il définit la fête de Pessah, le Rambam. Yesod Chazak Be'emunatei. La fête de Pessah, parce que nous en vérité, qu'est-ce qu'on a ? Si je vous dis, vous fermez les yeux, je vous dis Pessah. Oh là là, vous voyez vous avec en train de faire le parterre. Voilà. Alors, quand vous mettez la rasra de vérifier les trucs. Donc, en réalité, quand on voit Pessah, on voit toutes les préparations qu'il y a à faire avec. Ok, on est d'accord ou pas? Maman. Oui ou non? Mais en vérité, moi, parce que c'est comme ça. Mais en vérité, le Rambam définit Pessah comme Yesod Chazak Be'emunatim. Yesod, c'est un secret. Yesod, un fondamental de notre Emouna. Et là, maintenant, vous avez compris pourquoi c'est un fondamental de notre Emouna. Là, maintenant, vous avez compris. Parce qu'en vérité, la fête de Pessah, donc en fin de compte, la fête de Pessah, c'est fêter tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Okay. C'est pas Matan Torah. Matan Torah, c'est une autre chose. Okay. C'est la suite, évidemment, etc. Il n'y a pas de question sur ça. Mais la fête de Pessah, elle fête quoi ? Bien sûr, la création du peuple juif, elle fête tout ça. Mais en fin de compte, elle fête la création du peuple juif sur la base de quoi ? De notre Emouna. Que Akadosh Baruch Hu, il gère la totalité de son temps. Et en fin de compte, si vous regardez bien ces 10 plaies-là, c'est sans commune mesure la preuve absolue que Akadosh Baruch Hu, il est le créateur de tout. Encore une fois, si quelqu'un vous dit ouais, mais nous on n'y était pas, rappelez-vous ce que je vous dis, vous reverrez le début du show dans lequel je vous ai dit que ce que ça, c'est que des mauvaises fois. Au passage, ils ont envoyé là sur le groupe du Beit Rabban, ils ont envoyé une vidéo où quelqu'un disait que si on définit un peuple par les points suivants. Une seule terre, une religion, histoire commune, ou je ne sais pas quoi. Le troisième, à chaque fois, j'oublie. OK ? Et bien, il dit que le seul peuple antique qui est là jusqu'ici, qui existe jusqu'à aujourd'hui, le seul peuple antique, les Visigoths, les trucs, les choses, tous, ils ont disparu. Le seul peuple antique, c'est le Ram Israël. Donc il dit clairement, il dit en plus dans la vidéo, peut-être je vous l'enverrai sur le groupe, il dit en plus, moi je suis pas juif, donc je peux me permettre de parler comme ça, scientifiquement,
dans les études sociologiques, sentiment, le seul peuple qui existe jusqu'à maintenant, le seul peuple antique. Okay? Donc en fin de compte, ce que je veux dire, pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, ceux qui vont dire, ouais, mais tu n'y étais pas, mais l'histoire ne se fabrique pas. Par qui était pas, parce que c'est évident. Moi, j'étais pas là lorsqu'il y a eu Napoléon. J'étais pas là lorsque Clovis il a cassé le vase, ok. Il a, j'étais pas là quand Charlemagne. Personne n'était là. Mais alors pourquoi ça fait partie de ton histoire et personne ne remet en cause? Pourquoi? Parce qu'il y a une logique. Pourquoi personne ne remet en cause? Il y a une logique. Lorsque pendant la guerre d'indépendance en Israël, les Égyptiens, ils ont envoyé dans les vidéos, on est en train de marcher sur Jérusalem, on est en train d'écraser ce pays, etc., etc. Mais les Arabes, eux, qui sont enfuis de leur maison, ok, c'est ça tout ce qu'on appelle les réfugiés de 1948, etc. Les Arabes qui sont enfuis de leur maison, parce qu'ils ont écouté la radio, ils ont dit, on s'en va pendant la guerre, on revient, on va prendre, récupérer tout, ok. Eux, ils entendent la radio, qu'on est les maîtres d'Israël, mais eux, ils sont encore là-bas de l'autre côté. Ils ont, vous croyez quoi? Ils vont répéter à leurs enfants qu'on a gagné la guerre? Non. Ils ne vont pas répéter à leurs enfants qu'on a gagné la guerre. Bien sûr. Ils ne vont pas répéter à leurs enfants. Puisqu'en fin de compte, leurs enfants eux-mêmes, ils voient qu'ils sont à la rue. Les pauvres. OK? Donc, ils voient. Donc, tu ne peux pas créer une propagande en prenant à témoin des gens. Tu peux créer une propagande. Ça marche pendant quelques temps. On l'a vu ces quelques dernières années. On peut créer une propagande qui va marcher. Mais après, la vérité, elle revient. La vérité, elle arrive. Sauf que la vérité, elle est plus lente. C'est tout. La vérité, elle arrive. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a rien sur Terre. Une histoire ne se fabrique pas par une propagande. Une histoire ne se fabrique, un, que par la vérité et qui a été répétée par tout le monde. OK ? Et plus le temps passe, plus la vérité est en train de sauter. Ok, donc après je vous dirai une petite anecdote sur ce point-là, mais hors vidéo, sinon après on va encore me prendre la tête. Ok, clair ou pas? Je peux poser une question. Comment le peuple juif, le Ram Israël, comment il intègre la notion de Dieu? Comment il le voit? Qui est Dieu pour un... C'est encore une autre chose, mais pour l'instant, pour ce cours-là... Ouais, c'est une question qu'on me repose souvent. Enfin, je parle des non-juifs. Moi, j'ai beaucoup de gens... La notion de Dieu, donc, c'est... Donc, ils me demandent tous, mais qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? La réponse du Rambam au début, c'est une force no limite. Une force no limite, abstraite. Sans aucune... Une force pas abstraite. Une force, c'est une notion abstraite. C'est pas une... Non. Ne pas confondre. Spirituel et abstrait. Spirituel, c'est pas abstrait. Le spirituel, c'est pas abstrait. Une idée, c'est pas abstrait. Une idée, c'est concret. 1 plus 1 est égal à 2, c'est concret. Et abstrait et concret, c'est pas chose. Du spirituel, ça peut être abstrait par rapport à du matériel. Mais 1 plus 1 est égal à 2, c'est pas abstrait. Abstrait, c'est une réalité. Mais on ne peut pas lui donner un visage, une forme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, dès qu'on lui donne une forme, c'est que vous l'avez limité dans sa puissance. Donc en vérité, la définition du Rambam de ses quoi HM, c'est une force totale, absolue, qui ne connaît absolument aucune limite, ni de force, ni de temps, ni de d'influence, aucune. La force absolue qui ne connaît aucune limite. Ça, c'est la définition. Après, tu veux l'appeler Dieu, tu veux l'appeler Allah, tu veux l'appeler en français, tu veux l'appeler en anglais, tu veux l'appeler comme tu veux. Si tu considères, si tu parles de cette notion-là, tu lui donnes ce que tu veux. Tu l'appelles table. Table. Mais pour moi, table, c'est idiot. Mais c'est, on n'a rien à fiche du nom. Dieu, le divin, c'est le divin selon la Torah, force qui ne connaît entité. Qui ne connaît aucune limite dans sa puissance, dans sa présence, dans sa longévité, qui ne connaît absolument aucune limite. Et le créateur est la source et la source de tout. Ça, c'est la définition de Dieu. Après, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est pas un vieillard avec des ailes. Ça, c'est mignon pour les dessins animés, mais c'est pas. Yes, clair ou pas? Alors on va terminer avec le point. Et donc c'est pour ça maintenant qu'on comprend pourquoi maintenant c'est Yes Ot Chazak, ben on a fait nous. Que c'est en vérité c'est un point, c'est un fondamental de notre Emouna,
Parce qu'en vérité, maintenant on a compris. Et donc maintenant, on va revenir sur le début du show. Il dit, si maintenant chacun est parti voir, les personnes sont parties voir la religion en telle que l'on dit, chez les Juifs, il y a marqué que Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Ils sont partis voir la deuxième. Chez les Juifs, il y a marqué Bereshit bara Elohim. Ok, tout ça c'est mignon. Oui, bien sûr, c'est marqué. Sur ça, pas de question, c'est marqué. Mais alors, tu veux que je t'amène une preuve? Une preuve. Eh bien, la preuve, c'est les 10 plaies d'Égypte. Yes? On va arrêter là pour le cours et on va faire deux petits after. Ok? Donc, d'après tout ce qu'on a dit, la preuve scientifique, parce que la science, ce n'est pas juste ce qui a marqué à la télé, ce n'est pas ça la science. La science, la vraie définition de la science, c'est quelque chose qui est probable par un procédé. Aujourd'hui, de manière probable, par un procédé, on ne peut plus logique. La preuve qu'on pourrait tout simplement dire que Dieu a créé le ciel et la terre, en dehors d'une preuve de la véracité de la Torah, mais une preuve scientifique de la création par Hachem du ciel et la terre, eh bien, c'est les 10 plaies d'Égypte. Un, parce que vous avez le paramètre, l'histoire est créée par les témoins de l'histoire. Deux, par une source énorme d'informations diverses. Et que si maintenant l'histoire n'est pas vraie, et bien en fin de compte, les acteurs qui sont pris en otage, t'étais là, et bien les otages eux-mêmes ne vont pas répéter l'histoire, parce qu'ils ont été pris au contraire en otage. Okay? Donc en vérité, l'histoire est créée par les témoignages d'une multitude de gens. Et donc, les témoignages qu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte, que nous-mêmes, nos ancêtres, ils ont retransmis à leurs enfants. Parce qu'au passage, je termine sur ce point-là. Après, je vous libère. Si vous prenez depuis les plaies d'Égypte jusqu'à la rentrée en Israël, okay, on va dire qu'il y a 40 ans, 41, 42. Okay, entre le début que moi, je suis revenu, il est arrivé, 42. Ok, très bien. Sur 42 ans, combien vous avez de générations de personnes qui peuvent se porter témoins? Ben, génération, c'est 10 ans à peu près. Alors, faites le calcul. 4. À partir de 10 ans, quelqu'un il peut dire j'ai été. Il se rappelle. Ok. Ouais. Après, donc, de 10 ans, jusqu'à 50 ans. Mais c'est pas vrai. Parce que vous avez des gens qui ont vécu, ils avaient 60 ans, 70 ans. Ok. Etc. etc. Donc, en réalité, sur les 40 ans, vous avez, depuis l'enfant qui avait 10 ans, de 10 ans, jusqu'à ceux qui avaient 60 ans. Ceux de 10 ans, 10 ans plus tard, ils vont avoir des enfants. Dès qu'ils vont répéter à leurs enfants. Okay? Les enfants, ils vont répéter à leurs enfants. Comme quoi, papy, il y était. Maintenant, si toi, tu poses la question, est-ce que papy a vraiment été? Tu demandes au tonton. Après, tu demandes à des gens de l'autre tribu. Tu demandes à des autres. Tu demandes au rab, si tu es curieux. Et en fin de compte, chacun, pendant les 30 années, il va te confirmer. En plus de ça, le petit de 10 ans, même s'il était trop jeune pour vivre la sortie d'Égypte, il était trop jeune, mais t'as la manne, t'as les colonnes de nuée qui confirment cela. Donc pendant 40 années, tout ce peuple-là a vécu un destin commun, une histoire commune. Donc, ces 50 années d'histoire, okay? C'est énorme 50 années d'histoire pour un peuple aussi grand, non pas en même temps. Donc quand ils vont entrer en Eretz Israël, ils vont continuer pendant combien de temps? Celui qui avait 10 ans quand il rentre en Eretz Israël et qu'il a vécu pendant 10 ans les colonnes de nuée et la manne, lui va vivre encore 60 ans. Oui. On est d'accord? Donc pendant 60 ans, il va être un témoin vivant de ce qui s'est passé. Oui, voilà. Tous les autres millions ou milliers de petits enfants qui sont entrés à 10 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans en Eretz Israël, et qu'ils ont vécu la manne, et qu'ils ont vécu leurs parents, qui leur racontaient qu'on est sorti d'Égypte, etc. Donc tu as encore 100 ans. En fin de compte, les témoignages sont par millions, ouais. Et ils vont faire sur une durée minimum de 100 ans, avec des témoins vivants. Avec des témoins vivants. Tous les peuples autour qui commerçaient avec l'Ébène Israël sont 6 témoins. Etc, etc, etc. C'est-à-dire, le témoignage qui a été relaté dans le livre, qui a été confirmé par les livres, qui a été confirmé par les prophètes, qui a été confirmé, etc, etc. Cette quantité de témoignages est une preuve absolue, historique, que la chose a existé. Et personne au monde
ne peut, n'a les moyens de remettre en cause ça. Donc si maintenant, vous avez les témoins, si maintenant c'est marqué dans un livre, que le livre, on l'a, les parents, ils ont donné à étudier à leurs enfants. Mais maman, c'est vraiment passé. Allô? Moi, je suis rentré en Israël, il y avait déjà la manne et les colonnes de nuée. Et papy nous a confirmé. Oui, mais papy, tu sais que des fois, il blague un peu. Très bien, il y a le frère. Oui, mais tu sais qui blague? Oui, mais moi, j'ai vu mon cher Rabbeinu. Donc l'enfant, il se pose toute question. Parce que à son époque, etc., etc. Donc c'est un fait, c'est une valeur scientifique. Et donc, si quelqu'un vous pose la question après ce chiot-là, d'où tu sais qu'à Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, vous avez tous les éléments dans ce cours-là pour prouver. Et par la réalité scientifique de l'histoire, et plus qu'en fin de compte, tous ces plaies-là sont là pour nous prouver qu'à Kadosh Baruch Hu, il crée. Ouais, est-ce que la Torah, elle parle de la terre dans le sens si elle est plate ou ronde? Non, mais la logique veut qu'elle soit ronde. Non. Si. Ben non.